décrypter, informer, divertir. Now. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. Nino, les t-shirts troubés, ils n'ont pas les steaks. Interview, tu préfères, première question pour Nino. Nino, tu préfères Nino le rappeur ou Nino Fernando Torres? Putain, alors je vais passer pour un con, mais je connais aucun des deux. Et du coup, le jeune, il a fait genre ouais pour Nino le rappeur. En régie, il a fait le rappeur. Vas-y, ouais, le rappeur, ça te fait plaisir. Ouais, il a l'air content. Hein. Et il a trop peur. Ah là là là. Il est aussi allumé que vous tous. Comment on rentre ici pour bosser chez vous? C'est pas possible. Ouais, t'es content? Ouais, il est content, il sautille. Il sort en direct kangourou. Calme-toi maintenant. Ouais, bah, Nino le rappeur. Il est content. Il a vomi. Il était super content. Il a gerbé. Il y en a plein partout. Il est content. Nino, la scène ou les vidéos? Ah putain, on me la pose souvent celle-là. Elle est bâtard. Et ouais, et je peux pas choisir parce que c'est vraiment deux choses très différentes. Je dirais en fait les vidéos pour la liberté que j'ai maintenant aujourd'hui de pouvoir avoir une audience. Si tu sors la tronçonneuse, faut qu'il choisisse. Là. Et la scène pour les rapports qu'il y a. Tu peux faire une vidéo d'un million, deux millions de vues, jouer devant 50 personnes, quand tu rentres le soir chez toi, tu planes quoi. Donc ouais, la scène reste le truc que je veux faire de ma vie de toute façon. Ok. Comment ça, la scène, je veux rentrer chez la moi. Scène, nous aussi on plane mec. Et on joue même pas devant 50 personnes. Nino, YouTube ou Instagram? Instagram maintenant, ouais. Instagram. Est-ce que tu reçois des photos de meufs un peu et tout? Bah j'ai reçu les tiennes hier, si c'est la question. Oh non, pardon. Game over. Oh là là. Bravo, la discrétion. Je reçois des fois des photos de gens. Ouais. Et pas que des meufs. Je reçois des tubs aussi. Ouais. Alors j'allais dire fais péter mon pote, mais pour avant du coup. Ouais. Non, en vrai, il faut pas faire ça, les filles, faut pas s'envoyer des photos. Les mecs non plus, hein. Les mecs non plus. Parce que, surtout c'est les mecs. C'est pas une bonne idée non plus. Surtout un message de Baptiste Durieux. Ouais, on je sais, pas. D'où ça vient, d'accord, ok. Bah, t'inquiète pas, hein, Nino. Franjo. Oh non. Ou Frangipane. Ah, ça va. Franjo. Ouais. Oh, la frangipane. Bah, je vais vous dire, j'ai goûté les deux, je préfère la frangipane. Ah, oh, c'est méchant. Pourtant, la fève de Franjo est vraiment pas mal. La fève de... Ah, mais il y a moins de MSC. Il faut la trouver. Hein. Il y a moins de MSC. C'est pas évident. Hein. Mais ça, il aurait fallu me le dire avant. Il aurait fallu me prévenir. Ah, bah, non, c'est trop tard. Nino, redevenir banquier. Ah, bah, l'autre. Et être blindé ou continuer, mais plus rien gagner. Ouais. Le SDF me va très très bien. J'ai des affaires chaudes pour l'hiver. Ça t'a vraiment dégoûté. Non, je me suis promis que plus jamais de ma vie je ferai un métier où je kiffe pas. Ouais. Okay. Si je m'amuse pas, je fais pas. Bah, du coup, Martin, faut que je te dise, j'arrête l'émission. À bientôt. Nino, faire du cinéma et obtenir un César ou devenir le youtubeur avec le plus d'abonnés en France? Ah, c'est intéressant. Tu me demandes en fait si je veux choisir d'avoir une vraie carrière ou d'être blindé. Oh, ça dénonce. Ouais, non, mais c'est ça. Ou oh, Squeezie, soir, il est pas content là. Ah ouais, bah il s'en fout, il est blindé. Un gros acteur peut. Un gros acteur que. Ah bah, c'est possible. C'est en milliers d'euros. C'est avec possible. 6 chiffres sur le chèque. Non, bah alors cinéma direct, sans hésiter de toute façon. Direct parce que, ouais, parce que YouTube, c'est qu'un moyen. C'est qu'un moyen d'arriver à rassembler assez de gens autour de ce que je fais. Autour de ta communauté. Ouais, de mon humour. Donc, c'est quand même plus la classe d'avoir un César qu'un trophée YouTube de millions d'abonnés, franchement. Ouais, c'est pas faux. Enfin, Franjo qui est venu a reçu à son trophée YouTube et qui était très joli et très sympa. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc on peut faire les deux aussi. C'est vrai que là tu dois choisir. Donc plutôt cinéma. Ouais. C'est un objectif pour toi un jour d'être au ciné? Non, bizarrement non. Il y a beaucoup de mecs qui font du stand-up qui ont ça dans l'optique, mais moi non pas forcément. Mais je sais que ça m'approche déjà maintenant. Donc j'ai déjà refusé 2-3 projets et j'attends le bon truc pour y aller, tu vois. D'accord. Ouais. Mais non, ça viendra, c'est sûr. Ouais. Nino, Mr. V ou Kemar? Ah, Mr. V. Ouais, je suis très client Mr. V. Oh yes. Très drôle. Ouais. Vous êtes déjà rencontré? Non, si, on a fait une soirée ensemble, mais c'était une grosse soirée, on ne s'est pas parlé. Ok. Mais non, très très client de ce mec, il est complètement fou. Mais Kemar, il est perché aussi en vrai. Je connais pas trop son travail. Ouais. Je suis pas très youtubeur. Mr. V, il est un peu universel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas trop YouTube qui le connaissent. Et Kemar, il faut déjà être un peu plus tu vois, aficionado de YouTube pour le connaître. Ouais. Et ouais. Du coup, je connais pas trop le travail de Kemar. Il y a Claudia qui demande c'est quoi tes origines? Et ben, j'en ai marre, ils vont dire origines humaines. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Mais ça fait 2 mois que tout le monde me dit ça. Ah ouais? Ah bon? Je crois que je jaunis. Parce que c'est pas possible. Tout le monde, depuis 2 mois, me dit pas vietnamien un peu, toi? Ça, c'est pas la question, je comprends pas. Ah, mais pas du tout. C'est quoi tes origines? Ouais, en plus, je suis français de France, d'origine française labellisée.
comme salon de l'agriculture. Un bon gros bovin, tu vois. Saucisson, tu vois. Rillette. Tu trouves que tu deviens de plus en plus jaune. Mais non, on n'arrête pas de me dire ça en ce moment. T'es pas chinois. Mélanger viette. C'est ouf. Tu vois, peut-être je mange trop de sushis, tu vois. En ce moment, il y a c'est une publication sponsorisée pour les gilets jaunes. Même pas. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Tout le monde. Il touche même pas de thunes, putain. Mais en plus, j'ai mangé un bobo avant. Je le prends pas mal. Non, mais je savais pas du tout. Ça beaucoup. Cindy nous dit Nino. Oh, celle-là, on va l'encadrer. Aïe. Celle-là, tu peux l'encadrer. Nino, c'est l'adrénaline de nos vies. Ah, c'était ça. Oh, c'était oh tu vas un petit peu loin. Ah oui, t'as cru que j'allais dire un truc de gros bâtard. Alors, général, il me... Nino, spécial LGNQ, celle-là. Vache qui rit. L'autre. Ou femme qui rit. Bah ouais. Mais je mange pas de fromage. L'humour, ça aide avec les meufs. Bah oui, Martin, tu le sais. L'humour, ça date. Parce que j'ai est tellement conne cette question. Il y a quand même des mecs là qui m'envoient. Mais en fait, Cynthia, elle kiffe tout le monde. Allez vous faire enculer. Je kiffe qui je veux, déjà. Et je ne kiffe pas tout le monde. Non, mais je reçois plein de messages là depuis tout à l'heure. Donc arrêtez vos blagues pourries. Moi, rien. Nino, l'humour, est-ce que ça date avec les femmes? Je pense que oui. Un mec pas drôle, ça n'attire pas. Ouais, je pense que si t'es drôle et moche, t'as plus de chances que si t'es beau et pas drôle. Ah bah bien sûr. Attends, est-ce que tu peux répéter? Vaut mieux être drôle et pas très beau que super beau et pas drôle. Ouais, je pense. Ah, sinon c'est chiant. Ah, donc j'ai mes chances un peu peut-être. Parce qu'il faut être drôle. Ah ouais. Drôle. Ouais. Mais écoute, je... Non, puis faut la répartie est arrivée à zéro. Je vais télécharger l'application Rencontre des vaches là. Là par contre, il y a moyen. Pas mal, là, pas besoin de se brosser les dents en plus. Nino, Booba ou Caris? Ouais, Booba. Booba. Ouais, pour juste parce qu'il est taré lui aussi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le dieu d'Instagram, il complètement marche. À poil ou habillé? Ça dépend quand. Ouais, Bah là, il faut faire un choix. Genre l'hiver, l'été? L'hiver. Je me trimballe beaucoup à poil chez moi. Est-ce que tu dors tout nu ou pas? Ouais, de ouf. Bah oui. De ouf. Moi aussi. Autour de la table, est-ce qu'on dort tout nu? Autour de la table, on dit ah, je peux avec les mecs et tout. J'ai dit il dort à poil, bah oui, évidemment. Autour de la table, on a un petit pyjama ou ça dort tout nu? Moi, le pyjama m'est étranger depuis ma naissance. Ah ouais? Ah ouais, carrément, je déteste. Ah ouais. Mais lui, il vient de rentrer. Là, il y a un mec qui vient de rentrer. Il y a un mec en agile là. En slip! En slip! Ouais, ma bite! Putain, mais c'est quoi cette émission? Il fait un réglage, il est en train de régler la caméra. Taré. Nina. Nina. Alors lui, il est perdu. Mais où je suis? Les gars, ça part en freestyle, c'est du grand n'importe quoi. C'est mon démission, c'est normal, jusque-là on est là. Nino, oui. Le sexe ou l'amour? Ah non, l'amour. Ouais, ça fait très. C'est normal, il est pas con, il y a ses petites fans Thomas de 16 ans qui écoutent. Thomas, je suis sûr c'est vrai aussi. Nino, il est là pour garder son public, hein, tu sais, bon. Non, mais ils sont parce... là. Elles ont 15-16 ans, elles regardent Disney. Le gars, il va parler. Ouais, le sexe. Non, mais le sexe, j'ai déjà fait. L'amour, pas encore. Ah, et on félicite Nino qui a déjà fait le sexe. Merci. Bravo. Nino a déjà fait le sexe. Tout le monde, t'es comment? Tu peux nous raconter? Tout le monde autour de cette table ne peut pas en dire autant. Ouais. Pour tous les fans qui se posaient la question, Nino a déjà couché avec une fille. Et on peut l'applaudir. Ils étaient beaucoup à se poser la question. Nino, le Québec ou la France? Ah, la France, bien sûr. Ah. La France. Ah oui, évidemment. Puis je vais m'entraîner au Québec et après je reviens jouer en France. C'est méchant pour eux, mais c'est vrai. Tu vois, il y a Lucie qui dit plein d'humour, ces mecs. Bah, je te remercie, Lucie, c'est très sympa. Nino, on parle pas de toi. Je suis pas persuadé qu'elle parle de vrai. Nino, les Québécoises ou les Françaises? Ah ouais, non, les Françaises. Est-ce que l'accent québécois? Ah, mais c'est pas possible. Ah, mais c'est impossible. Une meuf en québécois, je me suis fait draguer, c'est pas possible de garder ton sérieux. Ah ouais? Ah ouais, parce qu'elle te parle. J'adore. Elle te parle avec des. Car les Français, j'aime beaucoup ce que vous faites, hein. Des trucs comme ça. Tu dis, mais elle le fait exprès, c'est pas possible. Il y a aussi une expression, c'est tape dans le fond, je suis pas ta mère. Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Voilà. Tu veux faire un doggy? Enfin, ça frère, tu vois, tu l'as dit en France aussi. Hein? Tu l'as dit en France, non, Martin, moi je l'ai dit pas. Martin? Ouais. Ça t'a des relations cheloues un peu, non? C'est ma sœur. Et Nino, vous venez du Nord. Nino, oui, je viens du Nord. RPZ, et on embrasse tous les consanguins qui nous regardent ce soir. Nino, dernière question. Oui. Tu préfères ta fesse droite ou ta fesse gauche? J'en peux plus de cette émission. Franchement, il y a un moment donné où il faut que quelqu'un rentre et dise stop. Stop! À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.